Honneur à ce maillot de champion de France, Pierre Latour, il va être le meilleur français du jour. Le meilleur français de ce contre-la-montre d'ouverture en terre allemande. Pierre Latour à l'arrivée avec un temps de 16 minutes et 29 secondes. Deux hommes désormais à l'avant, Jan Backlands et Tony Galopin qui ouvre la route désormais après le sprint intermédiaire de Massigneux. Un petit peu déçu, frustré d'avoir loupé cette victoire à Chambéry, mais aucun reproche aux coureurs puisqu'ils ont tout tenté, ils ont tout fait. Romain a été exceptionnel dans le final, il a manqué une bricole pour que ça se fasse et ça aurait été le pur bonheur que d'y aller ici à Chambéry. Romain Bardet, il est passé Romain Bardet. Il y va Romain Bardet maintenant, Fabio Aru, Romain ça Bardet. Ça le fait. Romain Bardet qui va se replacer au général et qui reste une menace pour Froome. Oui, c'est la troisième en trois ans, j'ai jamais 203. J'avais peur d'avoir laissé passer ma chance dimanche parce que c'est pas facile quand on joue au général de gagner. Et puis aujourd'hui, bon, j'avais bien repéré le dernier mur, je savais que ça pouvait me convenir et je suis content d'avoir enfin pu mettre au fond. Ça fait chaud au cœur de voir une victoire comme celle-ci avec tous les principaux favoris du Tour de France à la pédale avec les meilleurs. Donc forcément, j'ai une grosse victoire et beaucoup d'émotions. Et ça souligne vraiment le super travail collectif de toute l'équipe, staff et coureurs. Et c'est vraiment un gros plaisir de gagner ici. Maintenant on a Romain qui est au podium, qui est vraiment joué à la gagne de cette Tour de France. Alors mon rôle va être plutôt de rester avec lui, de l'aider à mettre aux bonnes positions. Belle manœuvre là initiée par la formation AG2R La Mondiale, Romain Bardet est sur ses terres. S'il continue sur le pied du col à monter très fort, ça va faire des dégâts derrière, c'est obligé. J'allais asphyxier en passant la ligne. J'étais dans le manque mental. Je pense qu'on a marqué la course de notre empreinte. On a couru comme une grande équipe. Et moi, voilà, vraiment, chapeau à mon équipe. Ils m'ont mis sur orbite. Je peux vous dire que tout le monde était à fond quand ils se sont écartés. Voilà, on a fait la course qu'il fallait. J'ai tout donné. Rien à regretter. Il a 16 secondes pour en terminer maintenant. 16 secondes pour en terminer. Romain Bardet qui rentre dans le stade. Il doit faire moins de 30 minutes et 19 secondes. Romain Bardet, 10 secondes pour en terminer. Est-ce qu'il va terminer sur la troisième marche du podium? Allez, Romain, ça va passer. Romain Bardet, ça va se jouer à la seconde. Ça passe. Très heureux. On est le chercher avec notre cœur, avec. On a franchi un très gros palier par rapport à l'an dernier, mais je suis très heureux de ça puisque voilà, on est encore une équipe jeune, on continue d'apprendre, de se former et surtout on prend du plaisir et on s'est régalé pendant 3 semaines.